Paula à Mouenet, dès qu'ils ont le ballon, leur première intention c'est de, voilà, de relancer très vite vers l'avant. Il n'y a pas de temps mort. Moulenga, l'un de ses premiers ballons, avec Kalaba qui a demandé à Lungu de jouer à l'opposé. Il va aller chercher Mbola. Allez, le centre contré, ce sera un corner. Ils ont fait le plus dur, les Congolais, mais attention au coup de pied arrêté et à la qualité de frappe de Rainford Kalaba au monté de Sunzu, qui aura un bon de sortie. Alors, est-ce que Tonga va monter également les deux actions? Écoutez Kidiaba. Kalaba s'est enroulé au premier poteau pour la tête de Tonga. Ouh, le dégagement. Là, Junior Kamananga s'est totalement loupé. Son dégagement. Et Kidiaba qui remplace ses hommes. Il demande de la vigilance. Beaucoup arrêté. Kalaba. C'est enroulé. Toujours au même endroit pour chercher Tonga. Kalaba qui récupère. Mais le ballon est sorti. Ce sera une touche pour les Congolais. Et leur équipe rajeunit. Également, c'est le cas de beaucoup de sélections dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Sinkala pour la Zambie. Kaosu. Il a joué le ballon face à son adversaire qui a commis une faute. Ça va permettre à Florent Ibanje d'avoir le coup franc. Très bon jaillissement là, très propre. La part de Peko, il passe devant son adversaire. Et ça continue à vous aider. À qui mieux mieux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a aussi quelques cornes de brume. Et il y a cette ambiance. Folklore, qui ne faiblit pas, c'est tant mieux. Il y avait des petits doutes, on se disait, tiens, ben lorsque la Guinée équatoriale ne jouera pas. Alors l'avantage d'avoir des petits stades, hein, 5000 personnes comme ici, c'est que ben, ce sont les sélections concernées qui ont distribué les billets. C'est très zambien et congolais. Et c'est plein. Et c'est plein, voilà. Parce que 5000 dans un stade de 20 000, ça fait creux. Dans un stade de la même contenance, c'est magnifique. Simuluma qui est contré. Deuxième buteur, semble-t-il, le plus rapide.